Bonjour. Donc aujourd'hui, on va repiquer les poivrons que j'avais fait dans ma cave. Voilà. Donc là, ils vont passer la nuit dans la serre froide, donc qui a gelé. Et eux, non. Donc, la serre est bien hermétique. Donc voilà, là, on va repiquer ces poivrons-là. Donc c'est les poivrons du commerce. Enlever. Les poivrons, regardez les plus beaux. Voilà. Voilà. Voilà deux. Est quand même bien gelé, mais enfin, pas gelé, gelé dur et fraîche. Ça marche bien ces petites barquettes, c'est de la récup. Tout doux, tout seul, la terre avait été bien humidifiée. Voilà. Et voilà. Donc j'ai préparé les godets. Voilà, c'est des barquettes avec du terreau. Pas du terreau de semis, c'est du terreau basique. Le terreau de semis, il est là, il est plus fin, mais c'est pour les semences. Là, étant donné qu'on repique, pas besoin de terreau à semis. Bon, étant donné que ceux-là c'est des poivrons du commerce, j'en mettrai peut-être un ou deux pieds dans la serre et le reste il ira dehors, puisque dans la serre j'ai privilégié ceux de chez Cocopelli que j'avais déjà fait l'année dernière, que j'ai récupéré les graines. Donc là il faut vraiment qu'ils s'habituent donc à ma terre, au climat du nord, pour les rendre plus résistants aux maladies, au froid, à l'humidité. Passionnant encore. Dommage, m'en manque trop. Donc voilà. Donc là, il y a 12, 13, 14, 15 plants de poivrons. Donc ça c'est des oranges du commerce. Après on va les arroser et il va falloir que je trouve une sauce pour les protéger ici. On a un voile d'hivernage, ça suffira. Parce que ils sont dans la serre et la serre apparemment protège des gelées, moins 2. Voilà. On continue. Je vais vous faire voir un petit système que j'avais mis en place l'année dernière. Alors, pour le deuxième, le bois, il n'y a rien dedans. Il faut que j'achète le kit pour y raccorder. Mais après, voilà. Avec le petit robinet pour l'arrêter, l'œil ouvert. Donc sa hauteur, eh bien 80, un 4 tuyaux d'arrosage qui va dans la serre. Bon, c'est que pour la serre, ça me suffit largement.
pour arroser ce qu'il y a dans la serre, c'est très bien. Donc là, je vais humecter la terre. On va attendre que la température de l'eau soit redescendue, enfin, soit remontée un tout petit peu. Parce que là, elle est fraîche. Voilà. Je vais aller pendant ce temps-là récupérer un autre comme ça. Que je vais faire toutes mes variétés de poivrons que je peux. À tout de suite. Donc voilà mes trois barquettes remplies, humidifiées. Ça, on arrosera encore encore une fois que je vais les mettre sur le tapis chauffant dans la cave, dans l'armoire à semis. Donc ça, c'est les chocolats. Je vais commencer par les chocolats. Donc là, je récupère mes graines de l'année dernière. Voilà. Elles sont belles en plus. On va essayer de faire propre. Voilà, là il y en a 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 25. Voilà. Bon, on peut les mettre en vrac, hein, comme ça. Ça marche aussi. Hein. Mais c'est plus propre comme ça. Et on verra le nombre de plants poussés sur cette variété-là. Donc, par contre, je vais pas laisser là-dedans. Voilà, avant je fumais les cigarettes électroniques. Donc ça c'est les... C'est quand même 40 ml. Je les ai nettoyés. J'ai enlevé ça. Bon, l'étiquette, elle va dégager. Mais je vais m'en servir, tant que c'est sec, pour garder mes graines. Récup. C'est de la récup. Hop, ok, bon, hop, il en reste 3 dans la terre. Donc voilà. Les poivrons chocolat. Par contre, je vais mettre la date de 2022 dessus. Alors. Poivron, chocolat. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va remettre un petit peu de terreau par-dessus.
Donc normalement tout ce qui est graines, c'est la quantité de terreau qui va au-dessus, c'est 3 fois la hauteur de la graine. Donc là c'est tout frais. Donc je vous laisse imaginer que il n'y a pas grand chose en terre dessus. Il faut pas que ce soit trop enfoncé. Faites ça tranquillement, de toute façon. Le jardinage, c'est pas fait pour courir. Ça peut prendre du bon temps. Voilà, on tasse bien. Par contre, je vais pas les arroser là avec l'eau d'extérieur parce qu'elle est gelée. C'était juste pour humecter la terre pour pouvoir les placer. Quand ça ne bouge plus, je les ferai dans ma cave. Voilà, donc là c'est bien tassé. Je vais marquer dessus pareil. Je vais mettre le nombre de plants qu'il va y avoir. La date d'aujourd'hui. Et l'espèce. Voilà. Donc on est le 14/2/2023. Poivron. Chocolat. 25 plants. Voilà. Au moins comme ça on sait. Après vous n'êtes pas obligé, hein, si vous marquez tout, vous mettez un. Vous avez un cahier, un registre, vous mettez un à côté, poivron, chocolat, la date, le nombre de plants. Mais c'est plus simple comme ça que de tenir un registre. De toute façon, le jardinage, c'est on sème, on attend, on récolte, s'il y a à récolter. Voilà. On va pas se casser la tête avec le jardinage. Donc là, on va continuer. Je vais voir ce que j'ai à mettre. Donc voilà, les poivrons ont été semés. Voilà. Donc ceux-là, c'est ceux que j'ai acheté pour cette année. Donc en sachant que dans un paquet de graines chez Cocopelli, il n'y a que 25 plants. Donc j'ai mis la moitié. J'en ai mis 12. Ça sera largement suffisant, en sachant que je pourrais pas tout mettre dans cette serre. Elle fait 12 mètres carrés. Bon, il y a de la place, hein, mais après j'ai encore les tomates. Donc je pourrais pas tout mettre. Donc j'en mettrai des comme ça, la moitié dans la serre, des trous. Voilà. Bon, je me focaliserai plus sur les nouvelles, puisque celle-là j'en ai beaucoup d'avance. Donc celle-là, il faudra que j'y fasse gaffe. Voilà, on continue avec le semis de choux de Bruxelles, demi-nain, et les poireaux bleus de Soleil. Donc ce que j'ai pu voir, on peut les semer maintenant. Voilà. Et ils vont rester en serre. Je vais mettre ça en godet. A tout de suite. Donc là j'utilise cette barquette là. Je vais mettre les choux de Bruxelles là dedans. Donc toujours du terreau de semis. Hein. Terreau de semis. Pourquoi le terreau de semis? Bah, étant donné que c'est des petites graines. Il leur faut pas d'engrais parce que le terreau leur piquage ou tous les terreaux basiques qu'on va dire qui sont pas spécialisés dans le semis, il y a de l'engrais dedans. Et ça pourrait faire au moment de la germination faire mourir le plant. C'est pour ça toujours utiliser un terreau de semis pour les graines, pour les petites graines, pour tout ce qui est de grosses graines, ça va quoi, ça passe. Quand je dis grosses graines, c'est potirons, courgettes, tout ce qui est cucurbitacé de toute façon. Et petits pois, maïs,
Ah, il court. Là, vous pouvez mettre n'importe quel terreau, voire même la terre du jardin. Même pour les petites graines, la terre du jardin, c'est très bien parce qu'il n'y a pas d'engrais. Enfin, si vous en mettez pas. Sinon, c'est mouillé. Voilà. Hop. Un petit peu. Je viens juste faire un emplacement comme ça pour pouvoir poser la graine. Bon, j'espère que j'en aurai assez. Chou de Bruxelles 2001, c'est une ancienne variété. Taux de germination effectué au mois de juillet de l'année dernière, 91%. Bon, par contre dedans, je sais pas combien il y a de graines. Des graines d'eau. Hop. Voilà. Vous pouvez voir, c'est tout fin. Donc je vais essayer de mettre deux trou. Au moment, c'est un sans faute. Et sur les deux, bon, il y aura de la perte. Ou à moins que j'arrive à les récupérer. Parce que là, ce qui va se passer cette année, jusqu'à la fin de l'année, c'est essayer de faire du plan pour moi récupérer les graines. Mon chou, il n'y a pas de difficulté, c'est juste que c'est là. Il y en aura 3. Voilà. Deux partout, en sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 trous. Donc si j'arrive à tout récupérer, ça fera 80 plants de chou de Bruxelles. Non. Bah, je vous cache pas qu'il y aura de la perte. Il y en a qui pousseront pas. Et ceux qui pousseront, ça sera les plus forts. C'est ceux-là qu'il faudra garder. Donc là, bon, étant donné que c'est des petites graines, pas la peine de remettre trop, parce qu'en plus ça va rester là. Ça, je l'ai fait dehors dans la serre, y a pas besoin de chaleur extrême quand on sait que celle-là, ces choux-là, on peut les mettre à l'automne pour pouvoir les récolter
l'année qui suit. Au feeling, c'est pas une science exacte potager. Et voilà. Faire la petite étiquette qui va bien. Voilà, petite étiquette qui va bien. Ah, je sais pas où je vais la mettre. En plus, je vais la mettre. Et voilà. Donc maintenant, on va passer au poireau. Allez, maintenant, c'est parti pour les semis de poireaux bleu de Suez. Donc là, je vais utiliser cette mini serre. Bon, elle est quand même grande. Donc là, je vais essayer de faire 4 lignes. Donc là-bas, les choux de Bruxelles, c'est bon. Maintenant, on va faire les poireaux. Hop. On va pas trop charger la mule au niveau des poireaux. On va essayer de faire le moins de pertes possible. Essayer de combler. Voilà. Et le reste est en pleine terre. Au mois de mars, je tente les carottes. En sachant que l'ami du poireau, c'est la carotte. Et le poireau protège la carotte de la mouche. Voilà. Alors, on va retasser comme ça vite fait. On va refermer les tranchées. Bien.
Voilà. On va arroser. Il faudra que je récupère mon arrosoir pulvérisateur à la CAF parce que là je suis pas. Non, hein, faut pas trop tard. Voilà. On va lui mettre son que j'ai pas ramené. Je vais aller chercher. On va lui mettre déjà sa petite étiquette. Voilà. Donc voilà. Donc on a repiqué les poivrons. On a semé les choux de Bruxelles 2001. On a semé les poireaux. Mes poivrons pour cette année qui vont être mis dans l'armoire à semis, au chaud, à la lumière, pour qu'il soit bien. Et là maintenant, on va mettre les petits pois mange-tout. À tout de suite. Ah ouais, dans la serre, il y a déjà de l'ail violet tout le tour. Tout ça là-bas, c'est de l'ail violet. Avec des choux brocoli que j'ai mis, que j'avais fait en fin d'année de l'année dernière. Donc là on peut voir commence déjà à y avoir des fleurs, pas des fleurs, le fruit. Donc là je vais vous faire voir où je vais mettre mes petits pois à rame mange-tout. Donc là je vais finir de mettre le grillage. J'ai mis deux morceaux en plus, il y avait déjà. J'avais fait pousser des haricots violets l'année dernière là-dessus. Donc là, je vais les mettre là. Tout le long là. Hop. Allez, je reprends. Allez, c'est parti pour la semence de petits pois. Donc voilà, comme ça, c'est magnifique.
Voilà, j'ai rebouché, tassé et surtout n'arrosez pas parce que c'est vachement humide à cette période de l'année. Bon, je vais faire le temps maintenant. Allez, à tout de suite. Donc là, ce qu'on va voir, c'est faire les boutures de patates douces. Allez, c'est parti. Donc celle-là, comme ça on verra mieux, c'est celle du commerce. Donc là c'est pas assez grand, on pourrait, hein, mais c'est trop petit, on va encore attendre un peu celle-là. Celle du potager, donc là on peut voir la différence. Les lianes sont déjà bien parties. Donc là, je vais couper tout ça. Et je vais vous faire voir à quelle hauteur il faut couper. Donc pour ce fait, vous avez besoin d'un ciseau. Donc là, sur la patate douce, donc vous pouvez y aller franco, on coupe à ras. Hop, je coupe celui-là, je coupe les grands avant. On va faire celle-là aussi. Et voilà. Du coup, voilà. Ça sera pour le prochain coup. Ça va très vite à faire. Voilà, voilà. Vous avez besoin d'un récipient. De l'eau à température. Je vais le rechercher. Ensuite, c'est le j'enlève. On va laisser 3 feuilles. Une, deux, et là-bas en haut, 3. Hop. J'enlève. Hop, on coupe le bout. C'est pour éviter l'évaporation, pour accélérer le niveau racinaire. Donc ça dans l'eau. Hop. Donc une, deux, trois. Je coupe au-dessus. Celle-là, j'enlève. Il reste 2 feuilles. Et une, deux, trois. Celle-là, vous l'enlevez. Hop. Dans l'eau. Bon, c'est trop petit. Celle-là, j'enlève. Hop. 2. Une, deux, trois. Poubelle. Donc là,
on constate que j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop. J'ai déjà 11 pieds de pommes de patates douces. C'est déjà pas mal. Ensuite, il faut les remettre à la chaleur. Hop, sur le tapis. Bien vérifier que tout est dans l'eau. Parce que c'est tout biscornu ça. Oh, j'enlève toutes mes fleurs. Je sais pas si ça rebouille. Ça c'est les poivrons. Ils sont partis. Normalement dans 15 jours c'est bon. Et voilà. Donc après ça sera au mois de mars. Il y aura beaucoup de plantations. Enfin beaucoup de semis à faire aussi. De la plantation d'ail et d'oignons et d'échalotes. Les ail c'est déjà fait, ils sont pas assez. Et puis carottes, poireaux. Salade, radis, il y aura beaucoup de choses à faire. Voilà, à la prochaine!